When it comes a time like this, quand le temps vient comme ça, for us to be brought into remembrance, pour nous être rappelés, of all that the Lord Jesus Christ did, de tout ce que le Seigneur Jésus Christ a fait, of all the brokenness that he went through, de toutes les brisures qu'il a traversées, all the pain, tout le mal, tout le mal. The Bible says, la Bible dit, he bore our sicknesses, il a pris nos maladies, our diseases, nos maladies, on his own body, sur son propre corps, on the tree, sur l'arbre. The chastisement, l'enchantement, the chastisement of our peace was upon him, de notre paix sur lui. And by his stripes we are healed. Sur nous sommes guéris. We are healed physically nous in our body, physiquement sur nos corps, and we are healed spiritually nous sommes in our spirituellement souls. Dans nos âmes. That somebody said amen. Amen. He went through a lot. Il est parti travers beaucoup. And he went voluntarily. Il est parti volontairement. He went willingly. Parti avec une voulait. That is why the Lord is asking us to serve him also willingly. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de le servir volontairement. Another time, my son said, "But Mama, why can't just all come to God?" Et puis mon fils a dit une fois, pourquoi tout le monde ne peut pas venir à Dieu? God is so good. Dieu est si bon. And it gets better and better every day in our lives. Why is it that all are not coming to God? Pourquoi c'est pas que tout le monde vient à Dieu? I said, my son. J'ai dit mon fils. For this purpose you were born. Pour ce but. Pourquoi tu es fait sur Jésus? For this reason you were born. Pour cette raison tu as été né. For this reason I was born. Pour cette raison c'est moi qui ai né. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. How would they believe what they have not heard? Comment est-ce qu'ils vont croire ce qu'ils n'ont pas entendu? And how would they hear if there is no preacher? Comment ils vont entendre s'il n'y a pas de prédicateur? And how can they be a preacher if they are not sent? Comment il peut être un prédicateur s'il ne peut pas être envoyé? And when we are sent, we should receive the call willingly. Et quand on est envoyé, on doit recevoir l'appel. God doesn't force any man. Dieu ne force pas quelqu'un. God wants us to love him willingly. Dieu veut qu'on l'aime volontairement. Like a father will want his son or his daughter to love him willingly. Comme un père, il veut que son fils et la fille l'aiment. There's no father that will say, "My son, love me, love me, love me." Père qui va dire, mon fils, il faut m'aimer. Oh, my daughter, you must love me. Ma fille, tu dois m'aimer. That is why God calls himself father. C'est pour ça que Dieu s'appelle père. And so that time I was speaking to God personally. Une fois, je parlais à Dieu personnellement. I said, Lord. Et dis, Seigneur. These are my brethren. Voici mes frères et sœurs. I'm praying for my brethren. Je prie pour mes frères et sœurs. And then the Lord said. Et puis le Seigneur a dit. You are not a brethren. Tu n'es pas une frère. You are, make yourself a mother. Il faut te faire une mère. Make yourself, those who are sons of God, ceux qui sont les fils de Dieu, make yourself like a father in the church. Il faut que tu sois un père dans l'église. Because God himself calls himself father. Parce que Dieu lui-même s'appelle père. And if you want to have the nature of God and do what God is asking us to do, si tu veux avoir la nature de Dieu, we have to make ourselves fathers and mothers in the kingdom of God. To be able to share the message. To be able to have enough love for them. Assez d'amour pour eux. To have enough love even when they are spitting on us. Assez d'amour même s'ils crachent. Enough love even when they don't want to listen. Même s'ils veulent même pas écouter. Enough love even when they are disobedient. Même s'ils sont désobéissants. That we don't count it according to how they act. On ne compte pas comment ils actent. That we count it according to the love that we have for them. Pour l'amour qu'on a pour eux. We give glory to the Lord God Almighty. Gloire, we thank you so much, Pastor Robert. Merci, Pastor Robert. And we pray that the Lord should sustain you more. Amen. The Lord should replenish you. Amen. The Lord should advance your ministry. Amen. And the next time you come to bless us, la prochaine fois tu viens pour nous bénir, by the mercies and the power of God, et le pouvoir de Dieu, the glory of God will be more and more manifested in this house, in our lives. Because as we have heard today, we are going to tell them what we have heard. And they will listen to us. And they will obey the call. And they will come to God. And somebody say amen. Amen.